Ça tourne. Bonjour, je cherche le trône de plaisance, s'il vous plaît, pour vous accompagner. Excellent. Allez, on fait la dernière portion jusqu'au port de plaisance. On s'était donné rendez-vous ce matin. Tu veux pas les prêts pour que je... Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une belle installation, le jardin d'eau. C'est la classe. Ouh, oui, ça me fait bizarre quand même au niveau des pieds. Ah oui? Ouais. Là, le fait d'être resté sur le banc pendant une heure, enfin, presque, parce que j'ai dû me lever pour beaucoup de téléphones. Heureusement que ça avait été plat. Ouais. Enfin, sauf au niveau du champ, il y a une petite contrainte. Ah, ils mettent de l'eau, des projections d'eau pour que ce mouvement qu'il n'y ait pas d'algues dessus. Ok. Là, ça fait un mouvement, un cycle qui fait qu'il n'y a pas de... Merci mon cher Dayonet. Toi adorable. Ah oui, c'est quasiment un pouce-pouce qu'il y a devant nous là. Enfin ouais, ou bien sûr le charrette au vélo, c'est original. Ah oui, j'ai une partie de la voûte plantaire là qui du pied gauche qui me dit pas merci. À ma grande surprise. Ça me fait bizarre d'avoir une douleur. Ça va, elle est légère, je te rassure. Sinon je serais déjà en train de boiter, mais. Ça me fait bizarre. Une fois, il y avait un péniche qui était là, et dans lequel il y avait un restaurant avec une piste de danse. Ah oui. Ça n'existe plus, ou alors c'est à côté. Ça s'appelle la péniche. Je crois que le restaurant s'appelait la péniche. Mais il y a une péniche qui était accostée pas loin là. C'était un. Enfin, peut-être que je la filmerai pour mon retour pour le coup. Qui est une péniche discothèque, carrément. D'accord. Elle est assez grande et elle fait discothèque. C'est pas celle. C'est celle-là ? Bon. Peut-être. Oui, c'est celle-là que je suis allé. Oui, peut-être. Ça existe toujours. Ah, ça a changé de nom. Ah oui, c'est peut-être un autre propriétaire. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, sur ce canal de la Mare Morin, il y avait eu une péniche qui s'était retrouvée en difficulté. Je crois que le propriétaire ne l'avait pas entretenu, il l'avait laissé acquis trop longtemps. Ah. Et je ne sais plus s'il y avait la rouille qui commençait à ronger la coque, et le navire commençait à prendre l'eau. Quoi. Donc elle était partie pour couler la péniche, je trouve pas cool. Avec les gens dedans, non ? Non, elle était abandonnée, c'est ça le problème. Et que le propriétaire ne faisait pas l'entretien de son bien, donc je sais pas comment ça s'est fini. Mais... Ouais. Tu vas jusqu'au Plastin, pas jusqu'au Plastin ou pas ? Non. Non. Non, là pour le coup, on finira pas sur le Plastin parce que. Je veux pas sortir pour les derniers mètres, excuse-moi, les dernières minutes, mon téléphone de secours. Je l'aurais fait si j'avais eu une grosse panne ou qu'on était qu'à la moitié du parcours. Mais là, on est à plus de 90% de la balade. D'accord. Je vais pas. Ouais. Désolé, mais je vais pas la changer là. Ah oui. Merci.
Et sans indiscrétion, oui, oui, tu vas pouvoir le nourrir d'ici une heure, tu seras chez toi, retour au bercail. Oui, ça va. Ouais, au niveau de la signalisation du canal, là, si je dis pas de bêtises, de voir les deux feux rouges alignés à la verticale signifie arrêt complet, interdiction de passer. De juste de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, le peu que j'avais appris de la navigation fluviale, ce qu'on parlait tout à l'heure au début de la promenade. D'accord. Ouais, quand t'as les deux à la verticale, ça signifie. Je pense qu'un seul à l'angle inférieur là signifie ralentir. Et les deux à la verticale signifie stopper, arrêt complet. Vous n'avez pas le droit de franchir cette limite. Sauf si tu te demandes à traverser. Je vous en reparlerai quand j'aurai ressorti le bouquin. Oui, il y a du monde. Et ça, alors c'est bizarre parce que au niveau monument. Alors au monument, ça brise. De l'autre côté en fait, tu vois. C'est ouais. En diagonale. Ce que j'allais dire, ça a le mérite de briser le vent. Donc c'est là qu'on se sépare. Ouais. Ouais. C'est la place d'aller là-bas, je vais aller là-bas. Ouais, ouais, ouais. Bah merci pour la promenade, mon cher Nayanet. On se quitte ici. Ciao, ciao. Merci à bientôt. Ouais, à bientôt. Bon retour. Merci à toi aussi. Bah je te ferai un petit mot Discord quand je serai rentré tout à l'heure. Oui, effectivement, t'as raison. Ouais. Au niveau du bâtiment. Oui. Je réfléchis par où j'allais rentrer. Non, je vais rentrer par là. Ouais, ouais, non, mais moi, il faut que je prenne l'autre rive pour rentrer chez moi. Oh, il y a de la ville là. Il y a de la populace. Ah oui, il y a du monde. Eh ben, ciao, Nayone, merci. Salut. Ciao, ciao. Oui, je filme, excuse-moi. Merci, ouais, toi aussi, Nayane, merci tout plein. Ouais. Ah, vache, il monte. Hey, la circulation à cette heure-ci, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est bien. Alors, je sais plus où c'était. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde au retour que je n'en avais à l'aller. Ah non, c'est l'autre bâtiment. C'est pas celui-là. Ah oui, c'est l'autre qui a une inscription. Mais c'est vrai que d'un point de vue architectural, c'est intéressant. Ouais, Villegrain et compagnie.
Alors ça, par contre, il faudrait que je fasse une recherche historique locale, pardon, sur le bâtiment Vildrin et compagnie. Alors j'essaie d'éviter de filmer les personnes. Je vais aller sur le côté. Résidence bien-être. Ah, c'est des panneaux de bois. Alors. Alors. Du coup, on voit le navire. Voilà. Et alors, on va s'abriter avec le soleil. Mince. Ah, je vais pas réussir à l'avoir. Vilgrain. Ouais, Vilgrain et compagnie. Alors, ça, c'est une curiosité. D'unités fluviales qui sont à quai. Bah, ça a l'air d'aller des individus sur la voie publique. Ah, j'avais vu la barque à l'aller. Ah oui, on voit l'inscription. Ah oui, qui correspond au gros navire. Ah, pas mal le coup de la boîte aux lettres. J'ai jamais fait gaffe. La boîte aux lettres qui est incorporée à la coque de la. Évidemment à flot. De la péniche. Il y a vraiment des passages étroits. Au moins c'est bien fréquenté, ça me rassure. Je vais pouvoir filmer jusqu'au bout.